enfin YouTube, je suis Suzuki et je suis super content de vous retrouver pour une petite partie de Pump It BMX Plus, un jeu qui va sortir sur Nintendo Switch si je dis pas de bêtises et qui est disponible dans le Xbox Game Pass, tout simplement. C'est pour ça qu'on va l'essayer, qui a été réalisé par Unity. On peut le voir au petit logo qu'il y a en bas à droite. Et je vois aussi que mon écran coupe une partie de mes éléments à l'écran. On va essayer de régler ça aussi. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu que j'avais envie de tester parce que j'aime bien les la série d'Ubisoft de jeux de moto Trial, ce qu'ils appellent Trial tout simplement. Et nous, on va se faire juste une demande, mais ça va, on va jouer directement. Graphiquement, c'est très joli, hein. C'est un jeu Xbox One, ouais, c'est un jeu Xbox One natif. On appuie sur A pour accélérer. Qu'est-ce que j'ai fait? On pédale avec A. On fait des cascades. On tombe comme un idiot. Alors, ma vraie question, c'est est-ce qu'il y a autre chose à faire en fait? Qu'est-ce que c'est que cette merde? On va retourner au menu principal et on va commencer par le didacticiel finalement. Ok, j'ai compris. En fait, il faut relâcher le bouton A au moment où tu es en l'air. J'aime pas trop la gueule du personnage, j'aime bien les graphismes. Donc là, tu relâches A, tu fais ton tri, et là, tu redescends avec A. Donc du coup, c'est pas tout à fait comme Trial Fusion. Je déchire. Vous voyez, cascade en l'air, on appuie sur R, ça ressemble à Trial Fusion en revanche. C'est très bien ce que j'ai fait. Ah, tiens, R pour faire un double quelque chose. La gestion des chutes est assez étrange, hein. Par exemple, là, je vois pas pourquoi je me suis pété la gueule. Du coup, non, je l'aime pas ce jeu. Non, sérieusement, il est sympa, mais il est pas apprécié. Mais tiens, herbe, faire le double machin, c'est quoi ton problème? Herbe, c'est bien là. Bon, le didacticiel me pète les... D'accord, en fait, il veut que je fasse R plus ça. C'est exactement ce que j'ai fait, hein. D'accord, en fait, tu te pètes la gueule. Si tu relâches pas avant. What? Voilà.
Bon, ça y est, j'ai fait le didacticiel. On va pouvoir s'amuser un peu sur ce Pump It BMX. J'ai quand même l'impression que c'est vachement un jeu de. J'ai quand même vachement l'impression que c'est un jeu de smartphone, en fait. Je suis pas super convaincu, hein. C'est ça veut se faire passer pour du Trial Fusion, mais la sensation, c'est pas vraiment ça. Pas comment expliquer, c'est assez mou. Ouais, je trouve pas que c'est un mauvais jeu, hein. On a tellement de choix de nos jours en jeu. Que pour moi, il y a bien mieux qui existe sur le marché. Je vous conseille plutôt Trial Fusion Blue de quelque chose. J'aime bien celui-là. Celui qui est toutes les couleurs. Il est excellent. Il est bien meilleur. J'ai dû faire un let's play dessus d'ailleurs, je pense. J'aime bien ce jeu. Si j'ai pas de let's play. Si j'ai fait un let's play, je me rappelle. Si j'ai pas fait de let's play. C'est complètement pété. Ah d'accord. C'est bon, j'ai compris. Je veux plus. Moi j'ai terminé. Ouais, la section des niveaux, voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Genre on va se prendre le satellite. Ouais d'accord, il y a des environnements différents. Alors moi je crois qu'on a déjà changé d'environnement mais que j'y ai pas fait attention. Ouais mais non. Non merci, j'ai plus faim. Ah mais j'ai clairement plus faim du tout quoi. Qu'est-ce que les mecs ont fumé? Tu m'expliques comment on passe ça là? Genre le mec ils sont venus explosifs. Oh. Le mec il peut pas mettre son pied par terre du vélo. S'il fait ça, je sais pas, il va avoir une guerre thermonucléaire, je sais rien. C'est bon, franchement, j'ai plus faim. Sur ce, je vous laisse. C'est BMX. Oh, et puis je crois qu'on a même pas envie de savoir en fait. Je vous dis à tous les otaku. Et à bientôt sur otakugame.fr.